Eh bien bonjour à tous. Bonjour. C'est l'Inquêteur Acide. Ouais. Nous sommes aujourd'hui réunis à la montagne, plus précisément à Tignes. La destination de tous les vrais riders. Mais pas des débutants. Ah non. Ce que nous sommes exactement, parce que l'homme, tu as fait combien de fois du ski? Zéro. Voilà, et moi j'en ai fait un jour. J'ai même pas fait de patin à glace ni de roller. Rien, il n'a aucune base, donc voilà, on va commencer par faire du ski pour voir si on peut faire des pistes bleues. Mais je suis pas bien. Il paraît qu'il n'y a pas de piste verte. Voilà, en fait, il n'y a pas de piste pour débutants, c'est directement une station si vous voulez. Vous voyez les pistes là? Elles sont raides, hein. Voilà. Voilà, bon. Bah, on va y aller, hein. On va essayer. Allez. On va voir comment ça se passe pour le ski. Et ensuite, demain, on a une séance de. Parapente. Non, t'as déjà fait du parapente? Oui, une fois chez moi. Voilà, donc on n'a jamais fait de parapente non plus. En fait, on risque de mourir sous deux jours, donc on va voir comment ça se passe. Il reste tout à faire. Allons-y. Il n'y a plus qu'à. Allez. Allez, Damien. Tu y es presque. Un sport extrême. Bravo, Damien, tu y es arrivé. Extrême. On appelle un dérapage debout. Take this out. C'était pas du tout debout. Oh my god. Extrême. Oh my god. Allez, on va peut-être finir à l'hôpital avant la fin du week-end. Penche en avant, vraiment n'hésite pas. Give me up. Sur le côté. Tu t'es tapé le rebord en métal. Je suis pas bien. Mettez des pouces. Extrême. Tu veux nous aider? On fait un grind. Sur le toboggan. On fait un grind. Est-ce que t'es capable de faire le toboggan? Il y a de la neige en dessous, hein, t'es sûr? Mais parce que là, c'est extrême, hein. T'es sûr? C'est le plus grand toboggan. Il va faire, il va faire, il va faire. Il est prêt. T'es sûr, hein? Ok, allez, okay. Il est sûr de lui. Wow. Oh my god! Wow, 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 wow. Là, là, hey, vraiment un grand bravo. Hardcore. Bravo. Serre la main, bravo. C'était super. Franchement, ouais. Bravo. T'es vraiment le meilleur. Ok. Alors voilà, on revient du ski. On est encore essoufflé. Alors Link, explique-nous un peu ton ressenti sur ta séance de ski. Bonjour, on avait un excellent moniteur. Non mais attendez, moi j'ai pas un moniteur comme vous quand vous étiez enfant à la station. J'ai eu Romain Grosjean. Skieur professionnel, freestyle, je sais pas quoi. Et puis on est parti sur une pente comme ça. On a appris à faire du chasse-neige. Et puis après il nous a dit, ah, on va à la piste bleue. Parce qu'effectivement il y a pas de piste verte. Voilà, savoir s'il y a des niveaux, hein. Il y a les pistes pour gros débutants, piste verte et piste bleue. Piste bleue, on en fait quand on sait faire du ski. Un petit peu quand même. Ouais. Voilà, pas quand on sait en faire depuis 2h30. Voilà. Mais écoute, moi j'en avais fait une fois, donc je sentais qu'au début, tu vois, je faisais un peu le cacou, hein, en mode. Ouais, au début dans le tuto, t'étais là. Ouais, c'est. Tu sais, je montrais que je touchais ma vie en ski. Alors quand on a commencé la piste bleue, je fais ah oh, bah ça le fait, tu vois. Chaud. Bon après j'ai vu les pentes et là j'ai clairement été une grosse tapette, hein, parce que j'ai descendu la pente à quoi 1,5 km. Ouais mais de manière surprenante, on s'est pas si mal démerdé. Moi sur la fin? Ouais mais sur la fin t'as traîné, tu vois. Parce que vous savez que je sais pas, j'avais au moins une journée d'avance de ski sur l'Inc, mais je suis quand même arrivé en dernier, genre il fermait la piste de ski en fait. J'avoue, j'ai fait. Tellement j'étais lent. J'ai fait mon. Ouais, il y avait les videurs qui faisaient bon monsieur, il le poussait comme ça. Ouais. Faut y aller monsieur. C'est avec les Tokiwoki en mode non, faut y aller là. On s'est bien cassé la gueule quand même. On s'est cassé la gueule une dizaine de fois chacun et puis mais par contre on l'a descendu et puis voilà quoi. Ça s'est fait. Ça s'est fait comme sur des. Comme sur des patins à roulettes à ski finalement. Mais en fait, faut appuyer sur les deux skis en même temps. Ah, ah. Putain. Oh putain. Et puis aujourd'hui, on a fait du parapente. Le fameux parapente, non, on l'a fait. On l'a fait. On s'est pas chié dessus, on y est allé. Et Link a eu beaucoup plus de couilles que tout le monde parce qu'il a dit ouais, je passe en premier. Alors, en fait, le problème, c'est que quand on a rien fait, qu'on connaît pas du tout, on n'a pas peur. Et ça, c'est le problème.
parce qu'on fait, a comme qui dirait la conf. On a la conf. Moi je me dis ouais génial, on va glisser et tout. Et non c'était chaud. Des petites anecdotes sur ton vol Thomas. Alors c'est, au début, alors bon déjà moi faut monter là-haut, vous voyez genre. Alors déjà moi avec mes skis, bon je sais pas marcher avec les skis donc je m'accroche au mec et tout, je m'accroche à son sac à dos, je fais tirez-moi. Alors il me monte et après donc on voilà on décolle tout ça et j'avais mon manteau qui s'est. Vous voyez, genre, il était comme ça, il y avait le harnais et le harnais il était là. Et genre on commence à aller vite et tout. Et je sens mon bidon, il est en train de se geler. Mon bidou, il est en train de se geler. Et je fais au monsieur, genre, mon ventre. Il lui donne ma GoPro et tout. Et il commence à rentrer mon bidon dans la sangle et tout. Non, j'avais peur que mes petits poils du bidon, ils gèlent, quoi. Je vais te tourner, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, la voile, elle se donne. Tu restes bien comme ça, ça perd moins pour toi. On voit mon bide parce que mon manteau s'est relevé, mais ça va aller. Super, merci. Comme ça mon ventre ne va pas geler. À un moment c'est pas cool parce qu'il nous prend notre GoPro et puis il nous dit tiens prends les sangles. Et moi je fais une banane. Parce qu'en fait si je les prends bah on va tomber. En fait moi c'est pas quand j'ai pris les sangles que j'ai flippé, c'est au moment où il m'a dit tiens repasse moi les sangles et il les a lâchés lui aussi et moi aussi et puis personne ne tenait les sangles. Et tu sais c'était vraiment pas serein, je tiens genre personne ne le tient. Tu regardes la voix, tu vas pas te démerder toi, c'est ton taf. Et après, ouais, moi, il m'a fait des cascades, il me tournoyait comme ça et tout, enfin des trucs à la steep, hein, vous voyez, genre, tu prends ton parapente, tu fais des trucs, ouais, si on se casse la gueule, c'est pas grave, bah lui, c'était pareil. Et donc, on était pas sereins. Tu sens la voile qui se gonfle ? Ouais, je la sens, ouais. Un gros virage sur la gauche, tu regardes à gauche. Au moment où j'ai flippé, c'est que on a commencé à faire de gros virages, tu vois, je me suis pris plein de gis dans la gueule, j'avais une tête de con parce que je flippais. Ouais, regarde à droite. Oh putain. Oh. Et genre, à la fin du virage, il fait, faut qu'on arrête parce qu'il y a la GoPro derrière qui est en train de s'en aller dans la voile. Tu vois, je lui dis, ouais, on arrête vraiment là, je crois que c'est bon. La phrase à ne pas dire quand on fait du parapente avec quelqu'un qui n'en a jamais fait. Un peu moi je te voyais là-haut et je te voyais d'en bas et ça, ouais, ça allait vite. Ça allait franchement vite. Ouais parce que je croyais que je m'étais pris genre l'équivalent d'un avion de chasse qui passe le mur du son et je lui dis on a pris combien de G là. Il me fait oh un G et demi. Je suis ah d'accord. Ouais, on était à 30, on était à 40 moins km, qu'un manège qu'on a dans une fête foraine, ouais ok. Après bah voilà. Parapente quoi, non mais incroyable, enfin c'est beau hein. C'est ultra beau, on est bien installé et tout, le mec est super bon. C'est magnifique. Oh là là. Alors, on a l'impression d'être un oiseau. Non, en vrai, qui risque la mort à tout moment parce qu'on se dit que s'il y a un coup de vent on peut foncer dans la montagne. Un oiseau sans ailes. Un oiseau sans ailes et qui ne tient pas les sangles. J'ai cru que j'allais mourir vers la fin, mais je suis pas mort. Top. C'est un contre-jour, je vois rien du tout. Attends, je masque le soleil. Masque le soleil avec ton doigt, s'il te plaît. Attention, non. Bah alors, Benjamin. Bah alors, Nils. Ah bah c'est bien, Nils, super pour l'appareil photo. Génial. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais je crois que c'est soit Cyril, soit Mixem qui est en train d'en faire. Et là, il est en train de prendre des gis dans la gueule, là. Oh là là. Là il prend des gis, là. Oh putain. Là, je pense qu'il est pas bien, là. C'est ce que j'ai fait, ça. C'est oh là là. Oh putain, là, il est pas bien. Ouais, j'ai fait ça. Oh là là, c'est pas bon, ça. Là, c'est que du bonheur. Eh, franchement, tu t'entends. Eh, t'es libre. C'est le paradis. En fait, une fois que t'es en l'air, tu voles et tu penses à rien d'autre. Ah ouais. C'est bien, Mixem. Alors, Mixem, tes impressions ? Eh ben, c'était nul. Déjà, c'était moche. Incompétent, le monsieur. Ça, je me suis ennuyé. C'est ça qu'ils m'ont choisi. J'étais sur mon tel, je checkais les. J'étais sur Flappy Bird, je me cassais les couilles.
Là, il y a un bout de parapente qui est tombé, là on aurait pu crever. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce boulon? Ah oui, effectivement, ah, oui. Ah. C'est ce qui tient la voile. Je pense que c'est plutôt un boulon de caméra. Ah, c'est pas là. Ah, peut-être, c'était ce qu'il y avait là. C'est bon, on est sauvé. Okay. C'est-à-dire qu'il est incompétent, c'est ça que tu veux dire? Alors là, on a Super Connard qui va pas tarder à vomir. On va partir sur une vrille 360. Extreme. Fais-le-moi vomir. Ah, ça va partir en vrille bientôt là. Oh oui. C'est Cyril, elle a dû lui faire une commande spéciale. Ouais. J'ai pris le forfait 6G. Attention, c'est parti. Oui. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Il enchaîne bien. Oh putain, elle prend cher quand même. Bah ouais, tranquille. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Vous voulez de la YouTube monnaie? Alors Cyril, ça en jette un max. J'ai raidé comme jamais, j'ai fait un max de rep. Trickshot. Alors Cyril, si c'est pas un vrai sportif, je ne m'y connais pas. On va aller voir le petit lin qui était raciste tranquillement. Peut-être que maintenant ils ont un talent de fou, on ne sait pas, on va voir ça tout de suite. C'est le terraciste. Moi je suis beau, c'est lui. Terracide, piste noire, piste violette. Violette. Ouais. Ça n'existe pas. C'est salon meurt. C'est costaud. Hein. C'est bizarre, moi j'avais une autre idée de la neige. Je l'avais plus douce. Ce serait trop marrant que j'y aille direct. Ce serait marrant. En vrai, c'est genre, tu sais, quand ça t'expliquait, ce serait pas énorme comme challenge. Genre, j'ai jamais fait de ski et je vais faire cette pente. Il va pas se blesser là-dessus. Hein. Faut pas me blesser. Non. Oh, non, faut... non. Il faut qu'on se casse un peu les je suis tombé de cheval. Hein. Je sais que vous êtes des pros dans ce type là. Ça oui. Mais là, c'est pareil. Falloir... Même là, dans ce type, on était nuls. Même dans ce type, vous étiez nuls. Un peu, ouais. Bah là, votre challenge aujourd'hui, ça va être de faire ce type et avec du vrai matériel. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner. Hein bah on va rentrer. Voilà. Déjà, regarde, tiens-le dans le bon sens. Là, l'avant, il est vers le bas. Là. Ah, tu vois. Ah, bah tu vois, ça première erreur. Ah, t'as jamais fait de ski ou quoi? Un ski, c'est comme une bagnole. Faut le permis. Semaine, ah, non. Ok, bah écoute, on y va alors. Les skis ont un c'est pas fini. Tu écoutes Maxime, parce que c'est pas quand tu vas te casser la gueule qu'il faudra regretter. Alors attends, j'ai pas écouté, je suis un mauvais élève. Non, t'es pas celui-là, voilà. Oh, ça y est, j'ai des skis. Ah, maintenant faut mettre le deuxième. Ouais, voilà, oh. Allez, tu peux y aller. Ça avance pas, c'est cassé. Ah non. Bah, ouais, mais il, alors, il a une caméra quand même. J'essaie d'avancer. J'arrive pas à avancer, putain. Ça n'avance pas. Je vais y arriver, j'ai une idée. J'ai une idée. Je l'ai appris à l'entraînement. Je peux faire des pistes rouges, techniquement. On va sauter, attention. Swing. Oh. Par contre, rigole pas, je risque de me péter la gueule, là. Content. J'ai pas menti, hein. Il y arrive pas, je crois. Putain, mais il galère. C'est un truc de ouf. C'est fini à 16h. Oh, les bâtards. J'étais pas prêt. S'il vous plaît. Ah, merci. Merci. Faut que je répète un petit peu et après c'est bon. Une verte, ça nous suffira. Attends. Sorry. Hello. Sorry. Hey, moi aussi, je veux le faire. Ah. Tu veux que je le fasse? Tout droit. Tu veux que j'y aille? Allez, tout chousse. J'y vais, moi. Je suis quand même un youtubeur. Je suis quand même un youtubeur, moi, ou pas? Non, mais t'es trop con. J'arrive, Maxime. Alors, c'est ça qu'il est con. Ah, salut, Maxime. Je vais voir. Voilà, viens vers moi, c'est oui. C'est pas voilà. Si mal. Non, prête. Voilà, on fait un petit peu, on va Maxime maintenant. Bon. Allez, on est fous. Non mais là, il ah, c'est marrant, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'ils vont se faire fumer par une petite gamine, là. C'est la honte, là. Là, c'est la honte. Je l'aurais mal pris. Il a réussi à planter son ski. J'ai passé un agréable moment. Merci. C'est de la perte. Retenez ça. J'ai pas nuit. J'ai mis moins de 6 heures. Attends,
quand quelqu'un pèle la roue, tu me tires. Ouais. Eh, tu filmes mon grind. Ah bah ça, je le loupe pas. Hein. Bon. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main, Jack. Ah, il est lourd. Ah bah oui, il y a les skis en plus. Attends, putain de galérien. Attends. Je peux le faire comme ça. C'est bon, j'ai grindé. T'accroches tes pieds. Y'a pas d'outils. Accroche tes pieds derrière toi, tu vois. Et si tu me tires, ça marchera. C'est quoi cette technique? Ta gueule. Regarde ça. Attends, mes pieds, ils sont pas assez tendus. Bah oui, bah bon. On essaie de faire des figures, hein. C'est quoi cette position crabe? Attends. Vas-y. Vas-y. Super lourd. Terre assez génie. Quoi? Je vais chausser là-haut. Ah oui. Bah oui. Bah oui, il est con. Ouais. Merci, là. De rien. Ça s'est passé nickel. Il y a une barre céréale, là. C'est à qui? Des skis comme ça. Moi je vais chausser. Sois fort. Faut forcer. Ok. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Chausse. Putain. On la refait. D'un côté alors. 3, 2, 1. Ah yes. Oui. Ok, on en a un. Ok, t'es prêt? 3, 2, 1. Oh. Merde. On va le faire, t'es sûr? Je te pousse. Faut que tu brûles. T'es prêt? Ouais. Force. Vas-y. Vas-y, force! C'est bon, tu me mets pas un coup de pied dans la gueule, hein. Vas-y, un bon coup là. Ok, t'es sûr? Non, attends, j'ai ma gueule à côté, vas-y! Ah, allez! Ah. Ouais! Merde. Ok, c'est maintenant que tout se joue. Ok. Êtes-vous prêt pour le grind? Non mais tu te calmes! C'était vachement bien! Ah, mais j'y ai pas! Tout ça pour ça! Putain! Oh non! Allez, je m'en fais pas! C'est mort! Enculé. Tu te démerdes! On va demander à d'autres gens! On se casse! Non mais le mec! Il a fait 30 cm sur le cul! Allez les gars, ça valait le coup! Hein. J'avais le casque encore dans la niche! Le temps que je me relève, je ne pouvais pas grinder! Mais dis-moi là que tu sais faire du snowboard! Ouais, franchement, le ski ça m'a saoulé! Ouais? Du coup, là on va faire une petite piste en snow! Mais tu te sens chaud une fois en snow? Ouais, bah là je te fais une bonne piste! Ok! En plus, on a de la chance aujourd'hui! Ok, bah écoute, bah je te regarde, hein, mais fais attention quand même! Hein. Bah t'inquiète! J'espère qu'il va pas tomber parce que le snow c'est assez dangereux! Hein. Hey, nickel! Franchement, c'était assez extrême. Bonsoir, c'est très naturel. Vas-y, c'est pas grave. Reviens. Soirée canapé, qui ne s'est pas passé comme prévu. On va quand même se présenter parce que vous connaissez pas forcément toutes les chaînes YouTube qui sont actuellement sur ce canapé. On a d'abord petite introduction. Wassalam à tous les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien, alors tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on est avec Momo. Oh non, pas de ketchup sur le t-shirt, Momo. Oh non. Et salut à toutes et à tous, c'est Sifano. Oh. Et oui, je l'ai pris le chèque. Ouais. Et j'ai fait mastu sur stoppé. Ouais, bordel, ouais. Hey, c'est vous, Elle était bien, mais la gestuelle et tout. Coucou Calice. Coucou Calice. Oh my god, voilà. En fait, on devait jouer à ce type, la raison pour laquelle on est ici. Et en fait, sur cet écran géant que tu peux filmer. Un petit setup. C'était bien. Hein. C'est, et finalement, la PlayStation 4 fait très inusuel, non usuel. Cette gourdasse de PS4. Cette connasse a décidé de supprimer le jeu. Le jeu a disparu. Totalement voilà. Tout seul. Elle a disparu. Tu vois la comme bibliothèque, il n'y a plus rien. Voilà, donc, ce qui fait qu'en fait, du coup, on a décidé de faire cette petite blague assez marrante sur les YouTubeurs pour compenser le manque de gameplay. Allez, au revoir. Au revoir Calice. Coucou Calice. Au revoir Athéna. Cool Norman. C'était un très bon week-end. On a fait tous les sports extrêmes de la montagne. Voilà. Mais pas la wingsuit. Pas la, non. Bon, la wingsuit c'est la prochaine on a, fois. Ouais, on attend le week-end prochain. Pour la wingsuit. Des pouces bleus pour la wingsuit qui arrive bientôt, solo. Pas de problème. Et ouais, solo, sans moniteur. Au revoir. Au revoir.
Ah, c'est dans la boîte. Ok, c'était cool. Trop bien.